Salut les filles, je suis Tonton Vap de la chaîne Passion Vapotager. Bienvenue sur ma première vidéo. Comme son nom l'indique, je vous parlerai de vaporisateurs, de jardinage et plus particulièrement des plantes que l'on peut trouver dans la nature ou cultiver dans son propre potager. Le tout bien sûr sans pesticides ni insecticides. Pour certaines, je vais tenter de vous les présenter de la plantation jusqu'à la récolte pour les transformer si besoin avant de les vaporiser. Je vais également vous présenter en détail mes 5 vaporisateurs, ceux que je peux me faire prêter par mon entourage et pourquoi pas mes prochaines acquisitions. Voilà, pour cette première vidéo, je vous ai préparé un petit jeu. J'ai caché, en plus du vaporisateur que j'ai en main, 4 indices supplémentaires qui vous permettront de découvrir quels sont mes autres vaporisateurs. Et je vous annonce d'ores et déjà que la prochaine vidéo sera probablement sur le vaporisateur en rapport avec cet indice. Bonne recherche! On va pas se quitter sans une petite inhalation. En attendant de récolter nos propres herbes, on va se faire un petit mélange de feuilles de passiflore et de damiana. Pas spécialement pour une grosse vapeur, mais plutôt pour une bonne saveur. Donc c'est parti. On allume. On règle à 190 degrés. On attend que ça bip et on vape. Un petit réglage de l'airflow. Ça monte tout doucement. On y arrive. Beaucoup de saveur mais peu de vapeur comme je l'avais prévu. Voilà, on se retrouve la prochaine fois pour une vidéo de présentation d'un de mes vaporisateurs. Allez, salut les filles, bonne vape.